bienvenue ou sous TV La Caille. C'est avec même plaisir nous entrer la caille chaque fanatique nous. Abonnez-nous, amis nous, compatriotes nous, quel que soit côté dans le monde. Eh bien, nous comptons entrer la caille pour nous porter information pour vous, comme d'habitude. Depuis information tombée, nous même TV La Caille, nous déjà gagné et nous partagé avec abonnez-nous, amis nous. Josia là, donc, il y a un nouveau président du Sénat qui c'est sénateur Joseph Lambert. Et bien, qui monsieur crase pays avec déclaration ça concerne nouveau président et pays d'Haïti ou bien nouveau président transition opposition maître Mécène Jean-Louis juge qui était plus ancien dans coup de cassation et nous songe qui l'obéit. Et bien donc et actualité qui est arrivé dans pays d'Haïti les que négoté et bien fait maître Mécène Jean-Louis le discours fait ceci fait cela comme nouveau président transition dans date qui était eh bien, 7 février 2021, côté que tu as un coup d'état qui est préparé pour le président Jovenel Moïse. Et tout de suite après, l'opposition t'a pas proclamé avec donc installation ou bien t'a pas proclamé avec Mécène Jean-Louis comme nouveau président transition, comme nouveau président eh bien, pays d'Haïti. Mais jusqu'à présent, Mécène n'a caché, selon ça qu'a dit, eh bien, c'est pourquoi j'en ai mis tes pieds en dedans, palais national. Qui donc, nous allons venir à quel état, guys, nous allons fort entendre. Eh bien, donc, sénateur Lambert qui parle font bonne déclaration là, qui parle font étonné, tendez, eh bien, qui ça nous dit concernant un nouveau président transition qui se met. Poser une question qui a valeur d'actualité seulement, mais une grande question que vous posez. Est-ce que maître Mécène Jean-Louis, est-ce que maître Mécène Jean-Louis est votre président? Non. Et pourquoi pas? Il va qu'à président. Parce que pour Mécène, président, il faut que nous soyons partis pour une autre dans toute une opération qui était conduite à nomination Mécène. Si nous n'avons pas un processus qui était conduit à désignation et à nomination Mécène comme président, je ne pourrais en aucun cas dire et déclarer que Mécène est mon président. Qu'est-ce qu'il est alors? Il faut adresser cette question à ceux-là qu'il avait retenu, choisi et lui porter à faire la déclaration en tant que président de transition. Avez-vous trahi votre ami Yuri La Tortue parce qu'il est également chef de cette situation-là? Votre ami Yuri La Tortue, André Michel, vous êtes sénateur de la République et ils ont pris une initiative disant à partir du 7 février 2021, Jovenel n'est plus président, ils ont installé un nouveau président. Donc, est-ce que vous n'avez pas discuté avec eux? Mon cher Mathios, je me trahis désormais sous des bagages spécifiques. Des hommes comme André Michel, des hommes comme Yuri La Tortue, Beauplan, Kelly Sébastien et autres, etc., ils vont rester et demeurer mes amis. Ok. Pas mes amis. Que l'initiative y a prend, je ne suis pas d'accord avec elle. Comme de fait, je ne suis pas d'accord. Que des initiatives que y a prend tout, on croit que c'est de bonnes initiatives. Parce que nous sommes en démocratie. Et nous sommes en démocratie. Et m'a dit un bagaille. Si nous sommes en démocratie, pas en dictature alors. Non, je dis bien. Le fait par le président de renvoyer deux tiers du Sénat de manière peu orthodoxe, d'handicaper le pouvoir judiciaire, peut-être à dessein, de se mettre dans une situation où je ne veux dire même l'arrêt, tout le monde va même un juge qui a jugé. Et par conséquent, la dit détention préventive prolongée, voilà que lui-même il crée les conditions de détention préventive prolongée. Est-ce qu'on va pas accepter Mécène et soit président par là, soit élection par arrivée faite le 7 février 2022 pour qu'on comprenne? Est-ce qu'on va pas accepter Mécène? 7 février 2022, c'est loin. Beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses, beaucoup d'eau. Gain pour couler sous pont. Pour clore le chapitre. Sous bien comprendre dans quelle situation que nous sommes. Ça veut dire que nous avons l'État qui a terre. Enfin, il a terre net. A terre net. Nous avons l'État qui a terre. Lorsqu'on a parlé de Yuri, d'André Michel, de André Michel, de Beauplan, de moi-même, par exemple, qui c'est Zamio. Zamio, Nenel Kassi et consorts.
Après, il y a tes amis, on me dit ça clair, pour personne, on ne va pas venir dire moi, et que, faut me choisir les amis, on ne va pas jamais mes amis. Oui. Quel que soit le monde. Et tant que le président Préval, on a une histoire. Le président Marté, il me conseille, lui, et puis il y a un mandat avec le président Préval, et puis il me dit dans la réunion conseil président, et puis il me dit président, le président Préval, je vais le quitter, là, le président. Il dit, oh, je n'ai à peine commencé à quitter, moi, je dis oui, président. Je vais quitter où? Mais si je ne suis pas calé, j'ai un pressentiment que je vais démissionner. Parce que le président Préval est attendu au parquet du tribunal civil de Jacmel. Je dois être aux côtés du président Préval. Le président Matéli, avec tout le monde en dedans, ouvert Gringe au ménage, comme quoi, il n'y a pas que j'aime une occasion de dire au président. Ça, vous même vous voulez bien ça, vous pensez. Moi, je n'aime pas comme ça. Je suis un général, comme je dis au président et Matéli. Et c'est pour ça que moi-même, je suis de tout le monde qui a un problème avec le président Matéli. Moi-même, je suis estime pas pour lui. Parce que le tolérant. Il accepte où il y a. Et que. Et yo, dit, Marco, et ça comme tu dit que moi, je suis un général qui vient comme conseiller président avec trois étoiles sous épaule. Moi. Je ne veux dire du train où ça va après. Avec cette situation lamentable. Situation lamentable. Ça. Tout ça que nous avons là, que nous sommes obligés de faire face là, il y a Dieu. Et son message pour tous nos amis, pour tous les Haïtiens, de quelque bord que vous êtes capable, à quelque fonction que vous êtes occupé, à quelque chapelle politique que vous êtes capable d'appartenir, je dois leur dire que Haïti a besoin de tout un chacun. Haïti est en agonie. Haïti est en difficulté. Tout le monde a intérêt chita. Je vais quitter Malé. Je vais quitter Malé moi-même. Je suis bien content. Ou venir, je suis bien content de discuter. Ou qui j'en m'aborder des questions avant. Ma quoi vini, val pral pral avo, ma me pose une dernière question. Est-ce que notre tête ou réfléchi aujourd'hui sur ça qui arrive? Est-ce qu'il y a une possibilité ou même pour une président de la République? Que ce soit Jovenel tombé, que ce soit une crise interminable, que ce soit élection par UFET, que ce soit 7 février 2022 et que y a une vide politique, est-ce qu'on pense un jour que ou même on cavine président? Donc si c'est pas ça, il était peur longtemps, il était fait cap bailler président. Est-ce qu'on pas penser qu'on possibilité pour une président? Qu'on y a un pressentiment en guise de réponse que personne ne va peur encore. Pourquoi? Parce que tout ça veut dire ah si l'ambe premier ministre, l'ambe après pouvoir dans le Jovenel. Comme qu'on y a là ces 7 mois crité, qui intérêt qu'on ait gagné une aujourd'hui pour aller tirer un président pour 4 mois, pour 3 mois, ou bien pour 2 mois, qui intérêt qu'on gagne tout, quand certains disent que il n'est pas même président encore, qui intérêt qu'on gagne une aujourd'hui pour que, ou, comme tu as dit, ou déstabiliser le pays à davantage, et je crois que l'idée pour le président, m'a pris pour nous négarer. Président encore, qui intérêt qu'on gagne une aujourd'hui pour que, ou, comme tu as dit, ou déstabiliser le pays à davantage, et je crois que l'idée pour le président, m'a pris pour nous négarer. Si moun ki pa ka l'école jounen jodi a, parce que chaque moun ki sorti, yo kren bi yo pa kidnappé yo. Yo kren, bon, moi m'a dit, monsieur, il faut pas faire ça aux enfants aussi. Monsieur, l'avenir de ce pays réside sous qui ça? Sous formation ti moun que nous gagnons. Bon, ti moun pa ka l'école. Comment ta vos maman fait, il faut mettre petit li l'école dans matin. Et puis ça, 10h, 11h, et pour dire, à 1h, tout le monde entre parce que nous disons. Et pour mettre tout le monde dans le courant, chercher Timon, côté, il n'y a pas qui route pour faire, qui route pour pas faire, et autres, etc. Aujourd'hui, je dis trois bagailles pour l'histoire notée pour moi.
Je suis un monsieur ouvert, conciliant. Et je veux toujours et je veux continuer à prôner le juste équilibre. Chita ensemble, parler ensemble, joindre la formule consensuelle sur Rémi Haïti pour que nous tous disions mais ça qui t'a pis bon, mais ça que nous voyons qui pas t'a pis bon pour le pays. Ça c'est un. Deuxièmement, aujourd'hui, il n'est même pas question d'un simple accord politique pour résoudre un problème ponctuel. Demain, on dit que vous allez mettre un gouvernement d'union nationale en place, vous allez faire un conseil électoral, vous retirez deux, trois mounes dedans, vous mettez deux, trois autres et autres, etc., pour permettre que le prêtez serment. Pour permettre que vous renforcez l'équipe qui travaille sur l'amendement constitution, pour permettre que au moins nous gagnions en masse beaucoup plus importante, en éventail beaucoup plus importante de monde, pour permettre que au moins nous baillons une certaine légitimité à ces institutions. Oui, on en a besoin. Mais il faut aller au-delà de tout ça. On a besoin des élections, parce que moi je suis pour les élections, mais avec un conseil électoral ouvert, équilibré et assermenté. On a besoin d'une réforme de la Constitution. Ce n'est pas le fond qui m'intéresse parce qu'on en a besoin. On a besoin de produire des changements pour rendre ce pays beaucoup plus fonctionnel. C'est la forme qui compte. Parce que nous ne sommes pas capables de parler, je ne veux dire, de démocratie ni directe, ni représentative encore. Il faut que nous parlions de démocratie représentative à travers les différents secteurs qui sont capables de m'impliquer dans la question pour faire de telle sorte que nous passions la première étape là. Et pour moi, quelle que soit l'étape que nous passons là, nous allons le dire et ma petite rire, c'est vers la stabilité. Son étape vers la stabilité, mais ce n'est pas pour la stabilité. Bon, et certainement moi-même, dit tout bagaille, mais moi-même, et par rapport à l'échange côté avec Gary Pierre Paul Charles, moi je voulais poser peut-être une seule question, puisque pour moi-même, parce que tout bagaille, moi t'as dit ou déjà dit ou. Maintenant, bon, son rappel primaire, le musique rappel primaire là, pour moi, c'est pas même nécessaire pour me dire, mais puisque il y a élèves de tout niveau, étudiants, tout le monde, et des monde pour capable prendre et capitaine d'émission, moi fais rappel là. Ça, Sénat gagne comme fonction politique, comme compétence politique, il y a assise d'agabdi juridique à travers deux textes. La Constitution et le règlement interne du Sénat de la République. Maintenant, Gary Sout mandé comme président Sénat, bon, généralement on parle de le tirer Sénat, le Sénat comme l'institution, certainement il était s'allié à comme institution, il était debout, et, mais l'Assemblée qui est capable de permettre le Sénat l'exercice ça a des compétences constitutionnelles n'est pas effective puisque nous connaissons ça, le principe quorum qui établit quantité de sénateurs pour gagner etc. Maintenant Gary demandé pour que vous fassiez une enquête sur ce qui passé dans le village de Dieu ou même comme président sénat vous répondez que vous prenez acte. Or la formation des commissions c'est des actes d'accord dit que Sénat lui-même lui posait conformément à l'article 58 de son règlement interne. Et généralement, quand les commissions en fait se forment, elles travaillent pour l'Assemblée. Et c'est à celle-ci de valider les actes du Sénat pour qu'ils aient force en réalité. Donc, sous base ça, moi, je voulais demander si nous avons une commission qui base juridique commission ça. Et dans l'éventualité qu'il t'a formé pour qu'il assemblée et Sénat
pour qu'il assemble que le pral travail ou encore qu'il assemble que le pral remettre rapport ça et pour rapport à valider si possible et sénateur Lambert. Écoutez. Sénat au grand complet, même amputé d'un tiers, je dis bien amputé d'un tiers, était fonctionnel, était opérationnel et capable de jouir de prérogatives. Je veux dire, c'est pour nous clair. Il faut que nous ne passions pas quatre chemins. Pour nous dire que nous existons, nous existons, mais nous pas fonctionnels, nous pas opérationnels, je dirais. Nous sommes en situation de dysfonctionnement. Mais pas oublier. Si loi a 10 ou bien à 20, loi a 20 ou bien à 30, ou qu'a fait loi, ou qu'a adopté résolution, ou qu'a convoqué ministre et autres, etc., ou qu'a ratifié des ambassadeurs, ou qu'a ratifié conseil banque, ou qu'a ratifié directeur général de la police, ou qu'a ratifié conseil d'administration BRH et autres, etc., et même le protecteur du citoyen, ou qu'a proposé. Même des juges à la Cour de cassation sont capables de proposer des listes de trois par le président pour choisir une par siège et autres, etc. Mais je dis, le Sénat n'est pas en mesure de faire ça. Par contre, pas oublier, nous avons dit. L'autre là, il y a un effet politique et psychologique. Parce que pouvoir judiciaire, même pour résolution. Haïti débat. Et il y a effet. Mais bah ouais, proposition. Il y a effet. Mais je ne veux dire, ou pas un juge qui pourtant dans le monde, ou pas un avocat pour défendre le monde. Non, parce que c'est en crise. Mais la crise. C'est en crise. Et c'est ça, Mabdou là, oui. Il y a une crise. Mais qu'est-ce qu'il y a la base de crise? Qu'est-ce qu'il y a l'origine de crise? Et comment faire pour atténuer la crise? Et c'est ça que me dit, je ne veux dire, nous avons l'État à côté. Et si nous avons l'État à côté, ce n'est pas une question de combat de Jovenel. Et pas le plus important. C'est refaire l'institution et renforcer l'État. Ce n'est pas un combat de Jovenel, le plus important, je veux dire. C'est refaire l'institution et puis remettre l'institution au campé et puis faire en sorte que l'État vienne me remettre sous des pieds. Tant qu'on a parlé de tirer le Sénat. Bon, c'est une évidence, sénateur. C'est quoi le Sénat? Dissacrité. Le reste de l'Assemblée des sénateurs. Montrez-moi mon texte. Je précise, sénateur Lambert. Le reste de l'Assemblée des sénateurs. Non, ma belle. C'est le Sénat est une institution. C'est quoi le reste? L'ex unique. Non, c'est quoi le reste de l'Assemblée des sénateurs? Alors, 10 sénateurs. Montrez-moi la constitution, côté où est ça là. Les 10 sénateurs. Non, retenez-moi. Montrez-moi la constitution qui ça côté où est tiré sénateur. Les 10 sénateurs restants. Bon, qui sont au Sénat de la République maintenant. Qu'on dit à ça, t'as pas le dire. Le reste de l'Assemblée, puisque l'Assemblée est complète à partir de sa composition. Et sa composition, c'est. C'est 30, le Sénat est composé de 30 sénateurs. Voilà. Maintenant, je dis à la nous 10 sénateurs. Ouais. Et l'homme qui est 30 sénateurs, nous avons l'Assemblée des sénateurs. Maintenant, si il y a seulement 10, nous avons parlé, bon, ce matin, vous avez dit du reste Sénat. Puisque là, d'après le revoir à l'institution, puisque l'institution est unique. Ah bon. Maintenant, on va parler de l'Assemblée des sénateurs. Non, mais je ne peux pas réponse même. Parce que tu as dit juste. Yeah. Tu as dit juste pourquoi? Parce que pas un reste institution. Et donc, comme tu as dit, tu restes exécutif là. Non. Non. Et donc, reste assemblée des sénateurs. Et donc, comme tu as dit, tu restes exécutif là. Tu as dit, tout homme de là, tu restes sénat. Et donc, comme tu as dit, tu restes exécutif là. Et donc, comme tu as dit, tu restes pouvoir judiciaire.